Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous revoilà pour une partie de pêche sur Ultimate Fishing Simulator. Alors, aujourd'hui, on va commencer une série de petites pêches avec du matériel un peu particulier, puisqu'on va pêcher à la mouche, voilà. Alors, on va pas faire que pêcher à la mouche, hein. Bien sûr, on pêchera à la cuillère aussi. Et puis, il y a une autre pêche que je voudrais aussi essayer, c'est la pêche de avec des feeders, hein, voilà, la pêche au fond. Bon, il y a ces trois pêches que je vais essayer, là. Donc, ça va être une nouvelle série, hein, voilà. Il n'y aura pas de bouchons, que des mouches, que les cuillères, que les feeders. Voilà. Alors, pour ma première pêche à la mouche, là, j'ai choisi donc du bon matériel. Hein, 50 kg, 51 kg, voilà. 3,70 m. Petite canne. Ici, 40 kg, on va dire, pour arrondir. Voilà, une mouche. Enfin, c'est du fil pour les mouches flottantes, voilà. Quoi d'autre? Le moulinet, alors, 45 kg à 260 mètres, bon, il y en a largement assez, hein. Enfin, on sait jamais, des fois que. Et la mouche, alors la mouche d'aujourd'hui, bon, il y a celle-ci aussi qui est pas mal, enfin, là, voilà, celle-ci est pas mal non plus, hein, bon, on va les essayer, ça dépend des endroits où on se trouve, hein. Moi là, je me trouve sur Betty Lake, donc, truite, arc-en-ciel, truite, ombre des fontaines, ombre la tête plate, voilà, enfin bon. Ici, on va garder ça, voilà, tête plate, enfin tout y est là, hein, truite fardée, voilà, je pense que là on a fait le tour, hein. Hameçon 4, 7, 7 c'est gros, mais bon, il y en a des beaux morceaux quand même, 4, bon c'est pas mal, hein. Donc c'est celle-ci, hein. Voilà. Il y a celle-ci aussi qui peut être bien, mais 5, ouais, avec un son de 5. Voilà, on essayera tout ça. Hein. Ombre de fontaine. Oula, 7, 9, 11, ça commence à être gros là. Ouais, mais là, non, c'est trop gros là. Ok, on va rester comme ça. Celle-là. Je sais pas si celle-là marcherait. Oui, aussi. Ok. En 4, en 6, c'est pas mal. Donc voilà, on en est là. On va essayer tout ça. Et puis, bah, hein, il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Alors, on va commencer par là. On va peut-être commencer par là. Ouais. Allez, c'est parti. Un peu qu'à se souhaiter. Bonne chance. Allez, c'est parti. On va mettre à 67. Alors, pas trop rapidement. Ah. Je fais des petits arrêts comme ça. On peut tirer aussi, hein. Comme ça. Ah non, elles me sont plus petites, non. Sûrement pas, hein. Voilà. Bon, ça marche pas à tous les coups, hein. Je m'attends pas à attraper du poisson rapidement, hein. Mais bon, avec un peu de chance.
on changera de mouche aussi, hein, c'est possible. Il faut tout essayer, hein. Bon, on va essayer par là, c'est pas grave, hein. Regarde ce qu'il y a, ouais. Ah, oh, putain de merde. Ouais, c'est par là-bas que ça se passe, hein. On va essayer par là-bas et puis ah. Il y en a des morceaux là, disons. Attention, il y en a un qui... Ah ouais, il y en a un qui l'a vu. Attention. Hop là, c'est parti. Vous avez vu l'attaque? Ah, c'est top ça. Ah, c'est top. Ah, il avait faim celui-là. C'est pas mal. Par contre, pour le ramener... Bien comprendre que les attaques à la pêche à la mouche hein, à cuillère c'est plus violent hein. Les poissons sont très énervés hein. Alors qu'est-ce qu'on a? 12 kilos. Oh, une belle petite truite, pas mal, belle petite truite. Bon bah c'est pas mal du tout hein. Allez, c'est parti. On va essayer un peu plus à droite. Hein. Bon, si à chaque lancée il y a un poisson, moi ça me va. Hein. Il n'y a pas de problème. Hein. Pas à chaque lancée. Alors, ce sera pas à chaque lancée. Bon, j'ai le droit de rêver, hein. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça fonctionne bien? Je ralentisse un peu le truc, hein. Je ramène moins vite, peut-être. Ouais. Merde. Bon, ben, il n'y aura pas de poisson à chaque lancée. Hein. Par contre, je vais certainement accélérer un petit peu. Voilà. Hop, on va accélérer. On va voir ce que ça va donner. Oh, ça y est. Il est parti. Ah, ça va peut-être trop vite en fait. Je suis ralenti là. Bon, ça suffit, hein. Arrête un peu. Ouais, j'ai été trop vite tout à l'heure là et je crois que... Tire encore, hein, l'enfoiré. Bon, bah ça fonctionne pas trop mal, on va changer de merde de mouche, voilà.
On va voir ce que ça va donner. Putain, ça tire hein, quand même. Ça tire un petit peu. Hein. 12 kilos, bah, c'est la même que tout à l'heure. J'ai l'impression de reprendre la même chose. Un truc qui va pas. Ok, alors on va changer de bestias. Comme ça, on va mettre. Donc je teste sur celle-ci. On va essayer celle-ci en 6 pour voir. Hein? Voilà. Ok. Allez, c'est parti. Wow. Ah, c'est violent quand même. C'est pas la pêche au bouchon là. Ah non. Ouais, ça tire un peu, hein. Attends qu'il se fatigue. Hein. Ouais. Bien. Encore une truite, 13 kilos celle-là, elle est un peu plus grosse. Hein. Ouais. Bon, on va essayer par là. Ouais, il faut changer de mouche hein, de temps en temps. C'est ce qui marche mieux en fait. Voilà. Allez. Ah bah non. Ça vient, mais doucement. Hein. On va tirer un peu dessus. Ouais. Ah, c'est comme pas. Non, 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 ne me fais pas ça, c'est pas la peine. Ah là là, ouais, c'est bon. Truite arc-en-ciel, 12 kilos. Ouais, pas mal, pas bizarre. On relâche la bébête. Ok. Bien. Alors. Où est-ce qu'on va aller? Par là peut-être? Ouais, on va aller par là.
Ouais. Ah, il y en a une qui arrive là. Oh la vache. À la vitesse, elle est arrivée là. Allez, 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 hop, c'est parti. Il est arrivé au bout du rembobinage. Il était temps. Hein. Oh putain. Bon, allez, ça suffit. Arrête. Une petite truite, hein. Elle me tape dans le rouge à chaque fois. Chiant. On a beau avoir du gros matériel, c'est pas suffisant apparemment. Ah, nouveau record, 18 kilos. Oh, jolie la truitasse. Bon. 18,80, 1 mètre. Bon, c'est pas... C'est pas mal du tout. Ok, très bien. On va jeter un coup d'œil par là, voir. On va se mettre par là plus. Voilà. Ah, les attaques, punaise. Ah. Elles sont nerveuses, hein, les bébêtes. Il n'y en a pas là. Ouais, plus par là peut-être. Pas mal. Pas mal visé là-bas. Bon, on va changer de mouche. Donc, on en est ici. Ça dit quoi ça? 5, ouais, on pourrait utiliser ça là. Hein. 5, ok. Allez, une petite bleue. Qui c'est? Enfoiré! Il y a une petite truite, allez, allez. Bon, de toute façon, je... Attention. Et c'est parti. Vous l'avez vu partir devant moi. Elle est partie devant moi. Et elle a foncé tout droit dessus. Hein. C'est l'ombre à tête plate qui est passée. Ouais, ou alors c'est une truite. Comment ça s'appelle les grandes truites là? Mais elle est passée devant moi et elle est partie de suite. Dessus. Ouais, mais bon, je sais pas prêt de la ramener, ça, je crois. Ouais. On va faire comme ça. On va aller un peu plus vite. Bon, bah, je crois qu'on va arrêter là après, mais je referai d'autres pêches ailleurs, hein, à la mouche,
Voilà, la prochaine séance, ce sera la pêche à la cuillère. Sur un autre étang ou un autre lac, je sais pas, on verra. Hein. On va essayer la cuillère. Donc là, c'est encore un autre matériel. Ah, nouveau record, super. Nom de Dieu, 22,45 kg. Avec ce matériel, un 65, bon. Ouais, il faut changer aussi de mouche hein, de temps en temps quand ça mord plus. Voilà, ça donne ça. Pas mal. 22,45. D'accord. Eh bien, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que ça vous a plu. Bon, prochaine étape, pêche à la cuillère. Allez, ciao!